Je vous souhaite la bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce temple, avec le rendez-vous que Dieu attend de nous. Nous sommes venus pour rechercher la présence de Dieu, écouter sa parole, la méditer, rencontrer les frères et sœurs ensemble. Notre espérance est en Dieu. Que chacun, au début de ce culte, reçoive de lui la grâce, la joie, la paix dans son cœur et dans sa vie. On va proposer le samedi 21 septembre la première rencontre du Parcours Alpha. On essaye d'inviter. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir dire sa foi, de pouvoir inviter les uns et les autres. Alors on va en parler un petit peu ce matin. Pourquoi dire sa foi? Comment inviter? Pourquoi inviter? Parce que Jésus nous le demande. Parce que Dieu nous aime. Vous connaissez ce verset par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, c'est nous. Puis tous ces et ceux qui ne sont pas encore là et qui aimeraient peut-être venir et qui ne savent pas qu'il y a une bonne nouvelle ici, une bonne nouvelle qui est le Christ. Alors, on va voir un petit peu comment nous encourager à être des témoins, parce que c'est pas évident. On a bien des prétextes pour ne pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire, vous comme moi. Voilà. Pour commencer ce culte, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci d'avoir ces frères et sœurs autour de nous. Tu nous as invités, tu nous as convoqués, tu nous as poussés à venir ce matin, tu nous as fait lever de notre lit. Merci pour la santé que tu nous donnes. Et puis on pense tout de suite à celles et ceux qui n'ont pas pu être là, qui ne peuvent pas être là, quelle que soit leur raison. Alors, nous voulons te demander d'être présent parmi nous, mais surtout que nous soyons présents à toi. Nous te remettons ce culte en te mettant de côté toutes nos attentes, toutes nos préoccupations. Nous voulons être avec toi et pour toi. Nous voulons t'offrir ce culte. Nous savons que tu as des bonnes choses aussi à nous donner. Louange à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant dans vos cantiques, numéro 514, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Envoie sur nous ton esprit, numéro 514. Les trois strophes. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soit plus fort, pour que la paix soit au creux de nos efforts, pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour.
groupe écouter quelques versets. C'est le psaume 37. Louons le Seigneur au psaume 37. Fais confiance au Seigneur. Agis comme il faut et tu resteras au pays, tu y vivras en paix. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Grâce à lui, ta bonne foi apparaîtra comme le jour qui se lève et ton bon droit comme le soleil en plein midi. Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le avec patience. Ne t'irrite pas si certains réussissent et si d'autres intriguent. Numéro 160, Notre Dieu et délivrance. On peut le prendre deux fois. Voilà, le refrain, Notre Dieu et délivrance. Notre Dieu est délivrance, il se lève, il nous sauve, il est le Dieu de notre histoire, que les peuples lui rendent gloire. Notre Dieu est délivrance, il se lève, il nous sauve, il est le Dieu de notre histoire, que les peuples lui rendent gloire. Et nous prions ensemble. Merci, ô Dieu, de toutes les délivrances que tu nous accordes. Délivrance de la peur de tout, de l'angoisse du lendemain, délivrance de la jalousie, de la gratitude. Tu nous délivres de tout mal pour que nous soyons libres de t'adorer, de te louer, libres pour te remercier de tous les bienfaits que tu nous donnes et que souvent nous ne voyons même pas. Tu es le roc sur lequel nous bâtissons notre vie. Tu es la paix dans nos cœurs et la joie dans toutes nos relations. Gloire à toi, ô Père, qui es si proche de nous. Amen. Et je vous invite à prendre dans vos livrets le numéro 115. C'est peut-être un nouveau chant pour certains. Numéro 115, Abba, qui veut dire Père, en araméen. Abba, Père, je suis à toi. Numéro 115 dans vos livrets. Ceux qui ne le connaissent pas trop peuvent bien suivre les paroles qui sont très belles, très actuelles et qui peuvent parler à nos cœurs. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui plane sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu mourrais. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis
avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Je rêvais du jour où je m'éveillais. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pouvais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pouvais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Qu'est-ce que les chants nous aident aussi à remercier Dieu, anciens, modernes? C'est souvent les chants qui nous aident à prier. Dans Matthieu 22, nous lisons ceci. Un spécialiste de la loi posa à Jésus cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le plus grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un disait, tu aimeras ton lointain. C'est plus facile d'aimer son lointain que son prochain, des fois. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Vous savez ce que Dieu attend de vous. Et je vous invite à prendre le 167, quand les montagnes s'éloigneraient, on peut se lever pour le chanter. Numéro 167, quand les montagnes. S'éloignerait quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour.
s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Je vous invite à prendre place. Même si tout autour de nous se bouscule et chancelle, l'amour pour toi ne change pas. Prions le Seigneur. Alors merci pour ton amour qui est déversé dans nos cœurs. On en a besoin ce matin. Avec tout ce que l'on peut vivre, parfois on a l'impression que tu es loin, alors que c'est nous-mêmes qui sommes loin de toi. Toi, tu es toujours là, près de nous, et tu nous répètes ce matin ton amour, et sur toi, mon enfant. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma joie. Alors merci d'ouvrir nos cœurs pour recevoir à nouveau cet amour qui dépasse toute intelligence, toute incompréhension des fois. Et c'est parce que tu nous aimes qu'on peut venir à toi. Tu nous aimes et nos paroles, nos actes ne montrent pas parfois notre amour pour toi. Pardon, Père. Abba, Père, pardon. Pardon pour nos silences, quand il fallait qu'on parle. Pardonne-nous pour notre manque d'amour, pour celles et ceux qui nous entourent. Nous aimerions aimer et on n'y arrive pas. Pardon pour notre manque de générosité. On trouve bien des excuses pour ne pas donner. Pardon, Père. Oui, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous nous présentons devant toi, dans le silence, pour te demander pardon. Écoute nos cris, écoute nos soupirs.
et prends pitié de nous, Jésus. Amen. Et c'est dans cet état d'esprit que l'on peut prendre le prochain chant, attaché à la croix pour moi. On peut rester assis pour le chanter. Le 458, attaché à la croix pour moi, les deux premières strophes. On continue ce moment de prière au travers du chant. Ce Jésus a souffert pour nous. En Jésus, j'ai placé ma confiance. Nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Dans les cris, les clameurs, la violence, rugissant autour de la croix. Son regard vient me dire en silence tout l'amour du Seigneur pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il m'a délivré, il a pris mon péché. Même si nous ne vivons pas encore, mais d'une manière spirituelle, d'une manière claire, autoritaire, Dieu nous libère de notre péché. Le Christ est mort sous la croix, tout a été accompli une fois pour toutes, c'est un fait. Dans les années 33, un certain vendredi saint, le Christ a porté tout notre péché, ce mal. Il a vaincu les forces du mal, il a réduit en spectacle le mal, il a mis sur la croix, il a dépouillé toutes les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Tout a été accompli il y a 2000 ans. À nous de pouvoir, au fur et à mesure, en étant nés de nouveau, vivre cet accomplissement. Laissons le Christ nous transformer, passer de cette révélation à des actes. Vous êtes en chantier, en transformation, pour y mettre un casque de chantier, parce qu'on est en transformation, on évolue, on avance. Avec cette bonne nouvelle qui n'est pas restée sur la croix. Beaucoup ont regardé la croix pendant que vous chantiez, attaché à la croix pour moi. Il n'est pas resté là. Il est vivant, heureusement. Voilà ce que l'on peut lire dans 1 Jean au chapitre 4. Et je vous invite à vous lever pour écouter cette bonne nouvelle. Ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos cœurs. Voilà ce que Dieu vous dit. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Dieu a tout fait, a tout accompli avec Jésus. Il donne sa vie, il nous aime, il nous fait grâce. Reçois cette parole de grâce pour ta vie. Tu es pardonné. Si on devait mourir, à l'instant même, on serait avec Jésus, puisqu'on a demandé pardon. Quelle grâce! On sait où on va. La vie éternelle nous est promise. Alors, puisque nous sommes aimés, aimons-nous aussi les uns les autres. Amen. Et je vous invite à prendre dans vos livrets numéro 7, Shalom, on l'avait pris la semaine dernière déjà, la paix. En ce moment,
Shalom et Salam ont du mal à vivre ensemble la paix. Vous avez vu les actualités. Ils s'envoient des missiles encore aujourd'hui. Et pourtant, le Christ est la paix. Shalom, 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 alérem, recevez la paix. La paix de l'Éternel qui gardera vos cœurs entiers en ses promesses. Shalom, 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 alérem, recevez. Shalom, je vous donne la paix, que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus, ne s'alarme pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Et ensemble, nous allons lire la confession de foi, voilà, pour ça j'ai mis la lettre B, dans les pages jaunes, dans la page jaune, c'est pas les pages jaunes de l'annuaire, voilà. Dans les pages jaunes, il y a diverses confessions de foi, la lettre B. Vous l'avez tous, la lettre B, la page jaune, voilà. Ensemble, nous pouvons confesser notre foi avec l'Église tout entière. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est la source de notre vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus-Christ, le serviteur mort et ressuscité pour le pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son Esprit Saint, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Telle est notre foi. Amen. Et nous prenons dans le livret numéro 90. Ô Jésus, mon sauveur. Numéro 90. Ô Jésus, mon sauveur. Seigneur, nous n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est mon abri, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À lui la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je tiendrai par la foi, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon sauveur, ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, m'aimé comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est. Mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
au Seigneur, crie de joie, terre entière, à lui la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Le 545. Prière d'intercession, je laisse la parole à Barbara. Alors, comme chaque dimanche, nous allons, comme chaque troisième ou quatrième dimanche du mois, nous allons parler du fil rouge, donc des chrétiens persécutés. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser à la Malaisie. Alors, en Malaisie, il faut savoir qu'il y a un pasteur, le pasteur Ko, qui a été enlevé. Et il y a un procès des responsables de l'enlèvement du pasteur. Le 15 août dernier, le tribunal s'est prononcé sur la demande de pouvoir révéler le contenu du rapport du groupe d'intervention spéciale, jusque-là considéré comme un secret national officiel. Puisqu'aucun certificat n'a pu être introduit pour attester que le rapport était couvert par la loi de 1972 sur le secret officiel, le tribunal a estimé qu'il n'avait pas lieu d'être tenu confidentiel. Par conséquent, le juge a décrété que le rapport devait être divulgué sans restriction à Susanna Ko, l'épouse du pasteur, dans un délai de 3 jours ouvrables. Pour Dato Gérald Gomez, l'avocat de la famille Ko, Dieu a exaucé notre prière. Cette nouvelle est une note d'espoir pour la famille Ko. Selon le juge lui-même, les conclusions du rapport de la SOACAM, la Commission des droits de l'homme de Malaisie, et du rapport du groupe d'intervention spéciale pourraient avoir un poids pour mieux comprendre les circonstances de l'enlèvement du pasteur Raymond Ko. Susanna Ko, son épouse, est reconnaissante que le rapport du groupe d'intervention spéciale lui soit enfin révélé après des années d'attente. C'est un pas de plus vers la vérité. Elle remercie toutes les personnes qui prient pour elle et pour son mari, dont nous n'avons plus de nouvelles depuis son kidnapping le 13 février 2017 à Petaling Jaya, en Malaisie.
Elle écrit « Chers amis, remercions Dieu pour la décision favorable du juge de nous communiquer le contenu du rapport du groupe d'intervention spéciale sans restriction. Dieu a répondu à nos prières. » Alors ensemble, pour la famille Co, pour le pasteur Co, louons Dieu pour la décision du tribunal de donner librement accès au rapport du groupe d'intervention spéciale. Prions pour les avocats et les témoins qui feront leur déposition lors de la prochaine intervention, qui s'est tenue le 22 août. Et prions pour le réconfort de Susanna Co et l'ensemble de la famille du pasteur qui vit sans nouvelles de leur bien-aimé depuis des années. Et ensemble, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ces nouvelles de nos frères et sœurs en Malaisie. Jésus dit, vous serez mes témoins. Votre témoignage est unique. Votre histoire n'a nul autre semblable. Vous êtes le seul à pouvoir la raconter. Et si vous ne le faites pas, elle sera jamais perdue. Vous n'êtes peut-être pas un grand spécialiste de la Bible, mais vous êtes compétent en ce qui concerne votre propre vie, n'est-ce pas? Alors, soyez les témoins du Christ autour de vous. Vous recevrez une puissance, celle de Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, dans la vallée de la Fench, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et vous garde. Amen. Et le dernier chant, le 540, « Allez-vous-en sur les places », la première et la troisième strophe, c'est ça? Voilà, numéro 540, la première et la troisième strophe. « Allez-vous-en et revenez dimanche prochain !» Pas seul, accompagné. Sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait? Quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré, allez-vous-en sur les places au Luxembourg et
sur les parvis, allez-vous-en sur les places, y cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon père séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. La troisième strophe. En quittant cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon père séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Un grand merci à la belle chorale. Voilà. Allez-vous-en et puis revenez. Il y a un petit café entre-temps qui vous accueille. À tout de suite. Et bon dimanche.